pour toi, André, quel est l'état des lieux du monde pour toi à l'instant T? Alors, malheureusement, désastreux, mais en même temps, je vois des évolutions très, très intéressantes. Donc, d'un côté, on voit toujours la violence, les guerres, etc., le réchauffement climatique, mais de l'autre côté, grâce à la technologie, le téléphone portable, les réseaux sociaux, il y a une évolution hyper rapide et une prise de conscience jamais vue. Et à mon avis, c'est une bonne chose parce que justement, on peut informer les gens de plus en plus vite et on voit des choses positives. Par exemple, on reconnaît de plus en plus les droits de la femme, les droits des animaux. Ce sont des choses qu'avant, si vous voulez, surtout concernant les droits des animaux, il y a 20 ans, eh bien, on n'aurait jamais cru qu'aujourd'hui, il y aurait une telle prise de conscience. Et donc, nous avons une situation presque aberrante, parce que nous avons deux, si vous voulez, deux voies ou deux pistes d'évolution en parallèle, une très mauvaise, a priori, et l'autre très positive. Sans rentrer dans l'utopie, selon toi, quelles seraient les solutions qui seraient réalisables? Ben, je pense, dans l'immédiat, c'est important pour chacun et chacune parmi nous de trouver sa mission dans la vie. Parce que je pense que nous pouvons tous trouver notre mission. Et cette mission est avantageuse de plusieurs façons, mais principalement pour améliorer l'état de la planète. Et deuxièmement, pour nous aider à nous donner un sens dans la vie, parce que je pense que la vie devient de plus en plus difficile. Et si nous n'avons pas une mission claire, c'est très facile d'entrer dans la d'être déprimé et d'entrer dans la dépression. Et donc, je pense que c'est très, très important pour chacun parmi nous de trouver sa mission. Nous sommes, si vous voulez, gâtés aujourd'hui grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux. Nous avons la possibilité de chercher parmi ces milliers de possibilités quelle est notre mission. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est à chacun parmi nous de chercher cette mission dans la vie parce que ça enrichit. Super. Donc, question 3. Quel rôle des associations comme Antidote Europe, Planète Altruiste peuvent-ils apporter, peuvent-ils jouer aujourd'hui? Eh bien, je pense que les associations comme la vôtre, comme la nôtre et comme beaucoup d'autres associations, c'est simplement c'est d'informer les gens, les informer, les rassembler et leur donner les outils, si vous voulez, le pouvoir, comment les aider à trouver leur mission et également leur donner les outils appropriés pour justement améliorer les choses. Donc, dans le cas de l'association Antidote Europe, eh bien, nous nous sommes aperçus que il est possible d'améliorer la situation dans l'immédiat sans attendre que le gouvernement prend 20 ans pour changer les lois. Et donc, il y a des mesures que nous pouvons prendre dans l'immédiat pour notre santé, pour l'environnement, pour réduire la souffrance animale, justement sans attendre que quelqu'un du Parlement français nous dise qu'on va le faire en 20 ans. Question 4. Quelle sera ton intervention lors de la Journée mondiale de l'altruisme? Eh bien justement, ça sera le sujet de mon intervention. Donc je vais expliquer un peu
je vais introduire l'association d'Europe, je vais expliquer pourquoi tous les produits qui nous entourent aujourd'hui, donc produits chimiques, industriels, pharmaceutiques, pesticides, etc., ont des effets tellement néfastes sur notre santé, sur l'environnement, en plus la souffrance animale, évidemment. Mais que tout cela, cette souffrance animale que nous avons provoquée, a rebondi contre nous, puisque maintenant c'est notre santé qui souffre et celle de l'environnement, et que nous pouvons justement d'abord nous protéger nous-mêmes, par exemple en achetant des produits bio, surtout bio, pour éviter la consommation de pesticides, etc. Ce qui paraît une évidence. Et nous avons beaucoup de chance en France parce que le marché bio en France est en pleine croissance. Donc, ça devient de plus en plus facile et possible, même pour les gens qui n'ont pas d'énormes moyens, pour justement se protéger dans l'immédiat. Et puis, de façon plus concrète, en ce qui concerne les tests sur les animaux, c'est justement présenter des informations au Parlement français, au grand public, comme quoi aujourd'hui nous possédons la technologie pour remplacer les tests sur les animaux. Donc aujourd'hui, l'obstacle le plus important pour remplacer les tests sur les animaux, ce n'est plus la technologie, c'est la communication. Donc, comment expliquer aux gens, comment communiquer un message assez complexe, parce que c'est complexe, aux personnes qui n'ont pas forcément une formation en biologie et en sciences, pourquoi et comment remplacer les tests sur les animaux? Et, à titre personnel et au nom de d'Antidote Europe, l'association, c'est ce que je fais de plus en plus, donc des interventions au sein des universités, des lycées, etc. Mais nous voulons aller plus loin que cela, et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire au sujet de la validité du modèle animal. Donc, pas si l'animal souffre ou pas, ce qui est une évidence, mais est-ce que le modèle animal est prédictif pour l'homme? Et nous avons aujourd'hui la preuve que aucune espèce n'est un modèle biologique pour une autre espèce. Donc, la preuve existe. Il est maintenant question de transmettre ces informations aux élus, au grand public, et laisser l'opinion publique faire son travail. Et donc, ceci est une première étape vers une prise de conscience auprès du grand public, auprès de nos députés, vers l'interdiction de l'expérimentation animale et remplacer les tests sur les animaux par des méthodes fiable et pertinente pour la santé humaine. Super, d'accord. Merci, merci André. Donc là, il va y avoir des questions subsidiaires. Donc, comme tu le sais, donc c'est la journée mondiale de l'altruisme. Qu'est-ce que tu peux, en quoi résonne en toi l'altruisme, cette notion d'altruisme, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans tes actions? Bien, je crois que d'abord, l'altruisme existe en tout le monde, chez chacun et chacune. Et il faut tout simplement le réaliser. Il faut être peut-être. Il faut parfois une petite lampe s'allume en nous ou que nous voyons quelque chose qui nous parle. Ou si, je pense que pour la plupart des gens, s'ils sont témoins d'un acte d'altruisme, à mon avis, ça résonne dans leur cœur. Ça allume quelque chose, ça nous parle tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que nous sommes tous potentiellement des êtres altruistes. Et donc, je pense que ça revient à la question de la mission dans la vie. Il faut que c'est peut-être la concurrence entre tous les médias et tous les jeux vidéo, etc., toutes ces distractions aujourd'hui dans le monde, surtout pour les jeunes personnes, il faut leur donner autre chose ou au moins un choix, ou leur proposer de temps en temps, regardez,
voyez quelque chose d'autre, quelqu'un, si vous voulez, comme on dit en anglais, un role model. Surtout pour les jeunes personnes, ils adorent les héros, les personnes qui vont sauver le monde, etc., etc. Donc tout le monde a ce rêve en soi d'être le sauveur ou le sauveteur du monde. Et pour moi, c'est, si vous voulez, cet altruisme endormi en chacun de nous qui peut être éveillé ou réveillé. Donc, toi, à un moment donné de ta vie, il y a eu une petite lampe, il y a eu quelque chose qui a allumé la petite lampe en toi. Apparemment, mais je pense que on s'aperçoit pas que c'est l'altruisme parce que ça devient une évidence. Et donc, des choses, si vous voulez, parfois, je fais des choses que d'autres personnes disent, à leur avis, ils disent, mais vous êtes altruiste, ce que vous avez fait, c'est altruiste. Et pour moi, ce n'est pas de l'altruisme, pour moi, c'est une évidence. C'est quelque chose de normal. C'est quelque chose, si vous voulez, que je fais pour l'autrui, parce que je me mets dans la place de l'autre personne. Donc pour moi, je suis l'univers. Et donc ce que je fais pour l'autre, je le fais pour moi et pour tout le monde. Et quand on voit les choses comme ça, eh bien, on n'a plus besoin de le labelliser l'altruisme. C'est pour moi la chose la plus naturelle. Et no normal, si vous voulez. Super. Je te souhaite une très belle journée. Merci pour le Également. temps mis à répondre aux questions. Et Également. à très bientôt, André. OK. Au revoir. Au revoir.